Renouvellement des organes de base à la section RDPC Océan Sud 2 à Kribi. L'heure est à l'attente des résultats finaux. Mais avant que la commission Patrice Mellom ne se prononce, chaque camp, les deux concrets à la victoire. C'était un combat suicidaire. C'était un combat qu'on voulait détruire un homme. C'était un combat où il y a eu une coalition pour me détruire. Les gens se sont réunis pour détruire tout ce que j'ai fait dans ma ville. On a détruit. Une opération de vote sur haute tension toute cette journée de dimanche. Les deux camps se renvoyant des accusations de fraude et tricherie. Au bureau de vote de l'école publique d'Afan Mabé, les tripatouillages et autres irrégularités ont été décidés par certains votants. C'est vraiment la vision du parti. On reste une famille. Et je pense que tel que les choses sont en train de se passer, celui qui va gagner, mais c'est le parti qui emporte. Dans ce bureau de vote, comme dans plusieurs, surtout les votants de la communauté Bamoun inscrits et détenteurs des cartes de membres n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes. 8h du matin, on a déchiré nos noms, jetés. Hein? On va rester là jusqu'à 18h. Je ne sais pas pourquoi. Non, non, on ne voit pas. Alors que nous sommes inscrits depuis. Il y a la faute que là, parce que j'ai voté le matin, on a mis la carte sur mon doigt. Jusqu'à l'heure actuelle, l'encre a disparu. J'ai déclaré la fraude dans le bureau de vote du collège Adventiste. Regardez mes doigts. Voilà la preuve que j'ai voté. Ils ont poché ma carte. Regardez mes doigts. Il n'y a pas d'encre sur mes doigts. J'ai déclaré qu'il n'y a pas l'encre. Malgré ce climat électrique, les renouvellements des organes de base de la section RDPC Océan Sud du se sont achevés. Les cœurs battent à présent la chamade dans l'attente des résultats définitifs.